Et salut à tous, on se retrouve sur notre ami le Cube pour un petit épisode très court, très court. Vous voyez que je suis en retard, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire, comme d'hab, et les examens qui approchent, tout ça. Donc faut vraiment pas que je mette plus que quelques minutes sur cet épisode. Alors déjà pour commencer, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait quand même. En une semaine, j'ai eu le temps d'avancer la mairie, qui est pas finie, mais qui donne quand même une bonne idée de l'aspect final qu'elle va avoir. Alors pour l'instant, c'est un bâtiment complet que j'ai fait là, avec deux petites pièces comme ça, donc une de chaque côté, des escaliers et une grande salle en haut. Donc c'est relativement vide, c'est pas très grand. Et en fait, tout simplement, ce qui va se passer, je pense, c'est que ce bâtiment va s'étendre ensuite de ce côté-ci, comme ça, et longer tout le bord là, ce qui te permettra d'avoir beaucoup plus de surface à l'intérieur. Mais enfin, il a plutôt la classe, et l'effet avec le soleil que je visais, qui vienne vraiment pile poil dedans, ça marche très bien, ça c'est assez chouette. Ouais, ça, il pleut comme d'hab. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux vous montrer de ce côté-ci. L'entrée du bas, qui était en fait une espèce de petite entrée annexe, est en train de devenir mon entrée principale parce que ben, pour accéder à ma zone de travaux là de la mairie, c'était beaucoup plus facile et rapide de passer par là. Donc j'ai creusé et posé un escalier, ce qui me permet d'accéder tout de suite à notamment au lit pour dormir. Parce que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps dormir. Je sais pas s'il y a eu une mise à jour qui changerait la durée du jour peut-être. Parce que j'ai l'impression que ça c'est tout le temps. Mais enfin bon, voilà, donc ça fait une chose de plus. Et après pour le reste, j'ai pas fait grand chose d'autre, mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu les projets pour la suite. Est-ce qu'on va faire du coup la semaine prochaine, vraisemblablement, c'est que j'ai juste là donc mon frigo, le fameux. On va l'ouvrir, tac. Et j'ai commencé à creuser une galerie là-dedans. Une galerie qui nous ramène au niveau du point de... avec la grosse maison commune. Par là, donc elle est un petit peu au-dessus, par là. Et en fait, ici, si vous cherche un petit peu... Voilà, juste ici, j'ai un petit escalier taillé à l'arrache qui permet de d'accéder ensuite simplement à la sortie juste là. Qu'on a faite, je crois, la dernière fois, sauf erreur. Super, tac. Ah oui, forcément, ça veut pas. Voilà. Et tout simplement, pourquoi? Parce que ici, on va poser une station de métro. Alors en réalité, elle sera plutôt par ici, je pense. Ça me paraît assez bien parce que ça permet d'arriver déjà. On a une vue assez classe sur pas mal de choses. On est à proximité à la fois de la mairie et de la maison commune. Et puis, ben, ça permettra de prolonger la ligne par là-dessous. Je pense qu'il y aura peut-être un petit pont par là, parce qu'elle a une vingtaine de blocs de haut, donc je crois qu'elle doit arriver pile poil, voilà, elle arriverait pile poil par ici en fait, je pense, là le long, donc à cette hauteur-là. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir ensuite relier 6-4 bien sûr, et puis ben pourquoi pas la relier dans tous les sens. Et d'ailleurs, en parlant de ça, boum boum boum, ok, alors se planter pour ça c'est fait, nickel. Vous avez vu que ma station de métro, elle a une certaine taille. J'aimerais faire quelque chose en fait avec un sélecteur qui permette ensuite d'arriver et sans aucune autre manipulation qu'appuyer sur un bouton, de repartir dans la direction qu'on veut, parce qu'il y aura certainement aussi une station au bord du lac en dessous de la mairie, parce qu'il y aura quelque chose là-bas, une cabane à pêche probablement, ainsi qu'un petit chemin qui y mène. Mais vous voyez, ça fait déjà une petite trotte, hein. Donc ça vaudrait la peine d'avoir quelque chose ici aussi pour le métro. Il sera un petit peu plus haut. Peut-être qu'elle serait par ici du coup, dans la montagne juste là, qu'elle sortirait là. Avec une cabane à pêche qui se trouverait juste ici. Et puis ensuite on mettrait un petit chemin qui remonterait par là. Pour rejoindre bien sûr la mairie que vous voyez par l'autre côté. C'est pas trop mal aussi je trouve. C'est pas du tout le même style de façade, mais ça donne assez bien entre les deux je trouve. Faudra peut-être... que je retravaille un tout petit peu le relief ici, ça manque un peu, hein. C'est pas encore parfait, je vous ai dit, c'est une bonne approximation du bâtiment final. Mais voilà, j'ai vraiment peu de temps à consacrer à notre ami le Cube, ce qui me désole d'autant plus que j'adore cette carte et j'adore cette série, donc voilà.
je ne lâche rien. Mais après, c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de construire un bout de mairie en quelques. Finalement quelques minutes, hein. Ça c'était assez vite fait. C'était juste trouver ensuite, trouver un pattern, trouver quelque chose qui fonctionne, qui était le plus long. Donc c'est. Mais après, si je dois expliquer ce que j'ai fait et tout, ça peut me prendre très longtemps, très vite. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait en vidéo, tout simplement. Voilà. Alors du coup, on peut peut-être juste redescendre un petit peu, voire retourner dans cette station de métro, juste pour montrer cette histoire de sélecteur. Tac. Vous voyez qu'on a. On aura une grande plateforme là. Donc en fait, il y aura un système en Mescone, je sais pas exactement comment encore, mais il faut que j'y travaille, qui permettra de déplacer les rails, soit vers le haut, soit vers le côté, je sais pas comment que je peux le faire exactement. Ce qui me permettra ensuite de dire, bah voilà, le truc va obligatoirement par ici ou par là, et bien sûr avec des boutons qui permettront de choisir. Ok, alors du coup, ce micro-épisode, qui n'en est pas vraiment un, est déjà terminé. Et on se redit à la semaine prochaine. J'espère pouvoir vous faire un petit live le week-end prochain, sans aucune garantie pour l'instant. Mais je vous tiendrai informé au minimum 24 heures à l'avance, histoire que vous ayez le temps de vous préparer. Et s'il n'y a pas de live, bah, vous n'avez pas l'info. Donc voilà, si vous avez une info, c'est qu'il y aura forcément quelque chose. Voilà. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.